Salut, c'est Seb du blog guitarexploration.com, je suis ton entraîneur de guitare jazz manouche et aujourd'hui on continue de disséquer le solo de Django sur Limehouse Blues, c'est parti! On va voir les enclosures. Les enclosures, c'est quand on fait des appoggiatures sur les notes de l'arpège. Exemple, La mineur. La mineur, c'est ça. On entoure ces notes-là. Django use et abuse de cette technique. Au niveau de la grille, ça fait Sol, Mi, La mineur. Sur sol, enclosure, de la quinte, sur mi, petite appoggiature de la note mi, et sur la mineur, chez Django on entend souvent des cordes à vide, ici on entend le mi à vide. Ça, ce sont des tics de jeu. Je te le fais au ralenti. Je te rappelle que tu peux télécharger la partition. Le lien est dans la description. Un peu plus vite. Django utilise aussi souvent les hammers et les pull-offs. Donc moi j'utilise un doigté un peu particulier. Django lui faisait ça. J'utilise mes quatre doigts, donc l'annulaire et l'auriculaire, pour ne pas qu'ils s'atrophient. Allez, je te le rejoue au tempo. Allez, on essaye à 110. Il faut toujours se challenger un minimum. Voilà, c'est fait pour le plan numéro 7. On verra le plan numéro 8 demain. N'hésite pas à t'abonner si tu veux être sûr de suivre tous les tutos. Je te laisse, sois fort.